tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le fameux remplissage pour le mois de mai. J'ai eu touché ma paye, moi. Mon chéri ne l'a pas encore touché, mais j'ai pris en fait l'argent dans l'enveloppe épargne déménagement. Puisque comme vous le savez, on va déménager dans pas très longtemps et ils veulent un chèque pour payer la caution, etc. Et moi, c'est vrai que j'avais que de l'espèce. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir avoir l'argent. Donc, je les ai pris dans l'enveloppe déménagement. Il en reste, hein, puisque je n'ai pas tout pris. Puisque dans l'enveloppe épargne déménagement, il y avait, je crois, 1 600 € et j'ai besoin de 1 080 € pour les enveloppes et 280 € pour les épargnes. D'ailleurs, je vais vous montrer au niveau des épargnes, ça a bougé parce qu'en fait, ici, vous savez, je vous avais dit que j'avais changé de contrat EDF, etc. Et en fait, OHM, c'est juste un contrat électricité. Donc en fait, le contrat gaz, je le garde chez Total Energy. Donc j'ai quand même 30 € pour le gaz et 43 € pour l'électricité. Donc en gros, ça me fait 75 € de prélèvement pour le gaz et l'électricité. Donc j'ai juste changé au niveau des épargnes. Au lieu de mettre 300 €, c'était quoi 300... Je sais plus combien c'était. Du coup, je vais mettre que 280 €. En sachant que... Moi, j'ai perçu ma paye, donc j'avais prévu 1 600 €. J'espère que vous voyez bien. Moi, j'avais prévu 1 600 € et j'ai eu 1 900. Mais je vais pas, pour l'instant, je vais pas mettre les 300 € que j'ai eu en plus dans les épargnes. Je vais attendre la paye de mon chéri pour voir un petit peu où on va disperser tout ça. De toute façon, si jamais on les disperse dans les épargnes, je vous montrerai ça dans les bilans. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pris mon petit brouillon pour pouvoir... mettre ce que j'ai besoin dans mes enveloppes. Donc on va commencer tout de suite. J'ai essayé de faire, parce que dans l'enveloppe déménagement, j'avais beaucoup de billets de 50, mais j'ai pu faire de la monnaie par-ci par-là. Donc c'est parti, on y va. Donc on va remplir pour le mois et pour la première semaine du mois de mai. Ça, je ne l'ai pas enlevé. Hop. Allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Pour l'alimentation, on est toujours sur un budget de 120 € par semaine. Donc 120, ça fait 2 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 4. Donc je vais vérifier, ça fait 1 semaine, 2 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 semaines. 1, 2, 3 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et j'ai oublié 20 € quelque part. Ça commence bien. Donc 120. Donc là, on va faire comme ça. Sinon, je vais m'embrouiller. Donc 120. Ensuite, 120 pour la deuxième. Voilà. C'est parce que j'ai plus de billets de 50. J'ai tellement sorti de monnaie que du coup, j'ai plus de billets de 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 120. Pour la deuxième. Le troisième, oulala, on est dimanche, hein, désolé. au niveau de mes dents, ça va mieux, enfin j'ai encore un peu mal, mais vous voyez, j'arrive à mieux parler et à parler plus vite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 20. Pourquoi j'ai 40 € en trop? Mais je suis pas bête quand même, j'ai dit 120 € pour les semaines. Donc là, on a 50, 100, 120. 50, 100, 120. J'ai mal compté. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, mais en fait, je mets 220 à chaque fois, là. Oh là là, attendez. Donc, 100, 120. 100, 120. Oh là là, ça fait 2 semaines. Ah ouais, moi, j'ai mis 200, n'importe quoi. 2, 4, 6, 8, 10 et 20. Ça fait 120. Oh là là. Vous voyez, j'allais mettre au taquet dessous dans mes enveloppes, n'importe quoi. Donc là, on a 3 semaines. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 4 semaines. Donc en fait, pas du tout, mais pas du tout. Donc en fait, ça et ça, oh là là, ça retourne ici. N'importe quoi. Bon, de toute façon, je verrai à la fin. Mais donc là, on est sur... Ah oui, il faut que je les plie pour mettre dans l'enveloppe de la première semaine. Oula, je sais pas comment j'ai compté. En fait, j'ai pas l'habitude. D'habitude, j'ai que des billets de 50 pour mettre dans mes enveloppes alimentation. Et là, comme j'ai beaucoup de billets de 20, ça m'a embrouillé.
Donc là, on est bien à 120 euros. Hop. Je vais juste vite fait recompter. Je suis désolée si vous ne voyez pas très bien. C'est que je me suis calée dans ma chambre puisque mon chéri joue à la console. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. On est bien à 120 euros pour la première semaine. Et là, on est sur les 3 semaines. C'est bon. Ouh là là. Je suis désolée, je me suis embrouillée. Mais n'importe quoi. Bon, heureusement que j'ai revu mon erreur d'ailleurs. Donc ici, pour la première semaine, c'est rempli. Voilà. J'irai faire mes cours, je pense, mardi, puisque je suis de repos. Bah, de toute façon, demain, je ne travaille pas, puisque c'est le 1er mai. D'ailleurs, vous aurez la vidéo demain. Hein. Et mardi, je finis à 14h, je crois. Donc, j'irai faire mes courses mardi. Voilà. Et je pense que, d'ailleurs, les vidéos bilan, vous les aurez en début de semaine, puisque moi, ma semaine, elle commence le lundi 1er. Et en fait, ça ira du lundi au lundi. Donc, en fait, chaque mois, je pense que ça va changer selon quand est-ce que tombe le 1er, je pense. Donc, je vous redirai ça au fur et à mesure. Mais là, pour le mois de mai, je pense que les bilans se feront le lundi. Voilà. Moi, je vous les tournerai sûrement soit le samedi, soit le dimanche, mais vous, vous les aurez le lundi. Donc, en alimentation, on est bon. En animaux, on a 10 pour la première, 20, 10 et 20. Donc là, on part sur 10 pour la première. Donc, on est toujours sur 60 euros pour les animaux. Hop, voilà. Donc, ça part ici. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, entretien hygiène, pareil, on est sur 10 sur la première semaine. Là, ça tombe bien, il me faut du coton-tige, du dentifrice. Donc, je vais pouvoir faire un petit plein parce que c'est pas très cher ce genre de choses. 20 euros pour la deuxième, 10 euros pour la troisième et 20 euros pour la quatrième. Donc, moi, je pars sur 4 semaines hein, ce mois-ci. Apparemment, il y en a plusieurs qui disent que vous avez 5 semaines, mais non, moi, je pars sur 4. Il restera peut-être 3 petits jours, mais quitte à garder un petit peu de sous sur la dernière semaine, à tirer en fait sur une semaine et demie, à voir. Donc entretien hygiène, on est bon. D'hiver, donc d'hiver, je vous ai dit que c'est plus d'hiver est sorti, donc ça faudra que je le rechange. C'est d'hiver tout seul, donc c'est 10 euros par semaine. 1, 2, 3 et 4. Donc d'hiver, on verra si je m'en sers. Après, si je m'en sers pas, j'ai envie de vous dire, ça me fera des économies. Hein. Mais bon, je préfère les mettre quand même. Donc c'est 10 euros pour la semaine. Ça, c'est bon. Ensuite, on a bébé. Donc, bébé, c'est 120 euros. Et comme je vous disais, je fais 30 par semaine. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en semaine 5. Il n'y a pas de cinquième semaine. Voilà. Donc, c'est 30 euros pour la semaine à chaque fois. Donc, 30 pour une, 30 pour deux, 3 et 4. Voilà. Comme ça, au moins, je pourrai ne rien manquer pour elle. Donc, pour bébé. Donc, 30 euros pour la semaine. Et ça va dans le portefeuille. Enfin, dans le classeur du mois. Voilà. Pour bébé. D'ailleurs, j'ai pas... Alors, j'ai effacé toutes les autres, mais pas celle-là. Donc, je vais effacer juste les petits traits. Voilà. Et celui-là, il y est déjà. Ouais, des fois, j'entoure, des fois, je barre. J'ai le stylo qui fuit. C'est un truc de fou. Ah oui, il fuit. Mais je comprends pas les charpies, moi. Il fuit alors qu'il fuyait pas. Bon, bref. Bébé, c'est bon. Ensuite, on part sur les enveloppes du mois. Donc ici, c'est bon. Ah oui, il y a juste les imprévus. Par contre, j'ai pas rajouté d'enveloppe imprévue. Donc, je vais les rajouter. Et imprévu, c'est 20 euros pour le mois. Donc ça, je les laisserai tout le mois dans mon portefeuille. Comme ça, je les aurai sur moi. Mais c'est vrai que j'ai pas rajouté ici d'enveloppe puisque... c'est une enveloppe au mois que je garde sur moi, donc je la mets pas. Et au niveau d'ici, on a rempli. Je voulais juste, c'est ça que je voulais faire. Je vais enlever 10 euros en billets et je vais les prendre en pièces. C'est vrai que j'ai fait les échanges dans mon défi d'or. Et du coup, je les ai pris en pièces. Voilà, donc le classeur de la semaine, il est prêt. Donc au niveau du shopping, toujours comme d'habitude, on a prévu 50 euros. Donc ça, c'est des enveloppes au mois et j'ai déjà rempli les trackers hein, pour éviter le temps perdu, voilà. Au niveau de la santé, on a prévu 30 euros. Donc ça, pareil, c'est pour le mois. À chaque fois que je laisse ma fille avec son papa, ça va pas du tout. Elle pleure toujours. Si je suis pas là, ça va pas. Donc Mia, je lui remets ses petits 10 euros. École, pareil, c'est 10 euros. Hop. Mon chéri, du coup, c'est 50 euros ce mois-ci.
Donc pareil, hein, mon chéri n'a pas encore eu sa paye. Si je vois qu'il a eu un peu plus que ce que j'ai prévu sur son revenu, on rajoutera dans quelques enveloppes, notamment dans son enveloppe et dans le tabac. Puisque là, dans le tabac, j'ai également prévu 50 euros. Donc 2, 3, 4 et 5. Mais je pense que le tabac, ça suffira pas. D'ailleurs, 5, mais il faut que j'enlève 20 euros parce qu'il a déjà utilisé 20 euros. Voilà. Hop. Je vais aller voir 2 secondes ma fille, je reviens tout de suite. Donc je vous reprends, je disais que pour le tabac, j'ai mis que 30 euros parce qu'il a déjà pris 20 euros pour acheter du tabac. Donc sur 50 euros, d'ailleurs, je vais le noter, sinon je ne vais pas m'en souvenir. Tabac, moins 20. Donc vous voyez, il reste déjà 30 euros, à mon avis. Oh, ça fuit de partout, je vais essayer de changer de stylo. À mon avis, il ne tiendra pas 30 euros sur le mois, donc je pense que je vais le rajouter. Et je pense même que... Ah ben c'est mieux là. Je pense même qu'à partir du mois prochain, je vais mettre vraiment un budget de 100 euros. Je pense que ça devrait suffire. On va voir. Ensuite, il reste le coiffeur. Donc le coiffeur, c'est 20 euros. Donc je vais mettre 2 billets de 10 parce que comme c'est à chaque fois 10 euros... Bon, c'est 12 euros la prestation, mais je lui donne de la monnaie quand il y va. Donc ça, c'est bon. Ensuite, achat internet. J'ai fait mon dépôt de 50 euros par mois, comme je fais à chaque fois. Donc on est donc à 87,11 € dans cette enveloppe. Au niveau de l'essence, pareil, c'est un virement. Donc j'ai mis 80 euros et il reste 114,94 €. Après, bon, les gains à la banque, j'ai tout enlevé puisque on va remplir. Il me reste donc 80 euros normalement. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est les 80 euros de la sortie. Je vous ai dit que j'avais changé, j'avais enlevé d'hiver et sortie. J'avais partagé les deux. Donc je vais le mettre quand même dans l'enveloppe d'hiver et sortie puisque je n'ai pas fait d'enveloppe sortie. Mais je saurai que c'est là-dedans. Voilà. Donc l'enveloppe, le classeur du mois est rempli également. Et on va venir remplir les épargnes. Ouh, là là, je vous ai fait pas mal bouger. Je suis désolée. Eh ben dis donc. Deux fois hein, que je me prends les trucs. Allez, on va faire dans les épargnes du coup. Pareil, j'ai déjà noté les trackers. Comme ça, j'ai pas besoin de le noter. Donc, j'ai fait des petits changements puisque comme je vous ai dit, j'ai enlevé 30 euros par rapport à mon contrat EDF que j'ai rajouté dans les charges fixes. Donc, on est donc sur des épargnes de 280 euros. Qui est déjà pas mal du tout. Et comme je vous disais, selon ce que mon chéri touchera, je verrai si on en rajoute d'autres. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais mettre les sous ici parce que, comme vous n'avez pas trop bien voir, donc dans 1, 2, 3. Dans le déménagement, je ne touche pas puisque on va les utiliser. Il me reste quand même ça, mais ça, je les redéposerai à la banque au moment où on payera. Alors, pour Noël, on a rajouté 10 euros puisqu'il faut quand même l'augmenter, Noël, hein. Ça va arriver assez vite. Voilà, donc on est donc à 170. Pour les anniversaires, on rajoute 50 euros. Ça, c'est... voilà, il faut le remplir par mois. Donc, je le remplis. Donc, on est donc à 175 euros. D'ailleurs, il faudra que je vienne récupérer mon petit billet de 5. Donc, 100, 150, 160, 175, c'est ça. On viendrait récupérer mon billet de 5 aussi. Qui est là-dedans, voilà. En plus, je crois que j'ai 2 anniversaires au mois de mai, je sais plus. Au niveau des animaux, on a dit qu'on rajoutait 10 euros. Voilà, en plus, je vais amener Pompon chez le vétérinaire, là, la semaine prochaine. Donc, je risque d'utiliser cette enveloppe. Donc, on est donc à 150 euros. Pour la voiture, pour l'instant, je ne mets rien. On est quand même à 250 euros, c'est pas mal. Pour les enfants, on rajoute 10 euros, on sera à 180. J'ai pris 20 euros de cette enveloppe-là que j'avais mis dans l'enveloppe banque, donc qui sont allés également en fait, j'ai pas tout pris dans l'enveloppe déménagement. En fait, j'ai pris aussi dans enfants, dans santé, 20 euros par-ci, 20 euros par-là, puisque j'avais payé par carte bancaire. Et du coup, ça m'a un petit peu remboursé, on va dire. Donc là, j'ai mis 10 euros, on est à 180 euros. Vous voyez toujours? Ouais. Donc, j'ai déjà coché les dessins. Au niveau de la santé, je crois que j'ai dit que je ne mettais rien. Hop, donc on est à 250. Fonds de secours, 50 euros par mois. Ça, c'est pareil, on n'y déroge pas. Je suis trop contente parce qu'on est arrivé à 500 euros. Donc, pareil, je pense que pour le prochain remplissage, je prendrai dans cette enveloppe-là et je ferai du... Ça, je le ferai un virement pour le laisser en virtuel. Là, je suis en train de regarder pour m'acheter des faux billets sur AliExpress pour mettre directement dedans. Vous savez, des billets factices, là.
J'en ai vu des super jolies en or et tout. Donc, à voir. Au niveau de la retraite, on ne met rien pour le moment. La chambre des filles, je crois que j'ai dit que je mettais 10. Ouais. Parce que ça, j'aimerais bien qu'elle avance aussi. Donc, ça fait 110 euros dans cette enveloppe. Shopping, je ne mets rien. YouTube, on met les 120. Ça vous rappelle, j'ai eu le... Comment ça s'appelle? Le revenu. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 120. Et il me manque des sous. Il me manque des sous puisqu'il faut que je mette dans 120 euros dans les vacances. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là-dedans, on a combien? Donc 100. Oui, je devais mettre... Ah mais oui, parce que les 120 euros, je les ai pas pris, c'est pour ça. Donc ça va pas ici. Ça va dans les vacances. Donc là, attendez, je reprends. J'avais 100 euros. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, ça, c'était ce qu'il y avait dans l'enveloppe YouTube. En fait, je ne les ai pas comptés. Puisque on a 280 euros à mettre dans les épargnes sans compter l'enveloppe YouTube. Donc, il faudra que je reprenne les 120 euros du coup de YouTube. Et les vacances, du coup, bah, c'est les 120 euros qui restent. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. 120 euros. C'est ça, je me disais, il y avait un problème. Donc, il faudra juste que je prenne les 120 euros que je vais prendre s'ils y sont ici. Puisque je ne les ai pas. 100. Et 120. Voilà. Puisque je les avais pas comptés. Et là, sur ma feuille, parce que c'est sur ça que je marque, qu'il faut que je fasse le virement. Donc 120, donc ça fait 1240. Et non pas 120. Donc je dois faire un virement de 1240 euros sur mon compte, sur mon livret A. Et il va me rester un petit peu de sous en espèces. Donc 1240. 1300, 1400, 1005 et 1500. Eh ben non, il manque toujours des sous. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Parce que normalement, si je fais 1240, puisqu'il me manque 120. Ah mais oui, parce que j'ai, il me manque 150 euros dans cette enveloppe. Donc 1240. 1240, 1300. 1400, 1500, 1600, 5, 6, 7, 8, 1680. On est bon. Oula, ben oui, c'est vrai. Donc, c'est bon. Je fais juste un virement de 1240 plus 150. Il faut que je me le note parce que je vais oublier. Plus 150. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, je referai les calculs plus tard. Et du coup, il me reste l'enveloppe YouTube à remplir. Donc, 120 euros pour YouTube. Hop, donc 100, hop, hop, donc on est donc à 220, 100, 220, parfait, on est good. Donc voilà pour les épargnes du mois de mai, je vais juste rajouter ici que pour l'instant j'ai mis 200, alors c'est pas ce stylo, n'importe quoi. Par contre, il faut... Alors, je vais mettre en bleu, tant pis. Donc, j'ai mis 280, 300 même, parce que j'ai le... J'ai le... Alors, 200... Non, 260. Ah, mais c'est pour ça. Eh oui, 260. Parce qu'en fait, 280, c'est avec les épargnes des filles en virtuel. Non, mais moi, je me suis embrouillée la tête, là. C'est un truc de dingue. Donc, en fait, j'ai mis 280. 280 en tout. Avec les épargnes des filles. Mais en physique, j'ai mis 260 euros. Voilà, c'est pour ça que... Oui, voilà. Ben oui, je suis bête. Donc oui, l'épargne des filles, c'est par virement. Mais il faut que je me rajoute une... vous savez, une page avec épargne des filles ou livret A ou un truc comme ça. Parce que sinon, je l'oublie à chaque fois. Bon, après, il est sur ma feuille. Hein. Donc, je vais essayer de vous remontrer. En fait, là, j'avais 280 en tout, ici, sans compter YouTube. Mais si j'enlève les 10 euros que j'ai mis pour chaque fille, donc 20 euros, j'ai mis 260 euros dans les épargnes en physique. Voilà, on y est. Quelle embrouille, mais quelle embrouille, je vous jure. Bref, donc voilà, mon remplissage est fait. Je suis désolée s'il a duré un petit peu longtemps, mais je me suis un petit peu embrouillée au début avec mes enveloppes alimentation. Franchement, j'ai fait n'importe quoi.
Bref, voilà, j'espère que vous, votre remplissage est fait. Mon classeur ne tient plus, mais le problème, c'est que sur AliExpress, les classeurs comme ça ne sont plus disponibles. Donc, j'attends que ça se remet en place. Sinon, je vais essayer de trouver un classeur comme ça sur Vinted. Je ne sais pas si je vais trouver. Bref. Donc, voilà, j'espère que vous, votre remplissage est fait. Nous, c'est bon, il est fait, il est bouclé. J'irai faire les courses mardi. Et comme je vous disais, je pense que vous aurez les bilans le lundi. Décidément, j'ai du mal avec le trépied là devant moi. C'est pas pratique, d'habitude je suis pas là pour filmer, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc je vous laisse là pour la fin de cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!